J'ai su très tôt que trouver la vérité n'est pas trouver le bonheur. Vous aspirez à voir la vérité, mais une fois que vous l'avez vue, cela ne vous empêche pas de souffrir. S'il en va autrement, c'est que vous n'avez rien vu. Il y a une chanson que nous aimons chanter au village des pruniers. Je suis arrivé, je suis chez moi. La pratique de la pleine conscience est de toujours arriver. Arriver ici et maintenant. Nous avons beaucoup couru, mais nous ne sommes pas arrivés. Nous faisons vœu de ne pas avoir de possession. Nous n'avons ni argent, ni banque, ni carte de crédit. Si nous résidons dans le chaos, nous ne percevons que du bruit. Un sourire peut-être, un son merveilleux. La pratique de la pleine conscience nous aide à vivre profondément pour ne pas gaspiller notre vie. Votre vie est-elle contrôlée par un supérieur? Vous voyez Yoda dans Star Wars? Il est un peu comme lui. J'avais un chien. Et il est mort et j'ai été très triste. Imagine que tu regardes le ciel, tu vois un magnifique nuage. Le nuage est devenu la pluie. Et quand tu bois ton thé, tu peux voir la pluie. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Il n'y a que le moment présent. Les montagnes et les rivières, la terre et le soleil, tout cela repose dans le cœur de la conscience. Il ne restait plus qu'une paix profondément enracinée.